Mon nom c'est Jessie, je suis artiste directrice du Bazar Montréal et aujourd'hui j'aimerais ça faire un artist talk qui va parler des intentions. Donc, intention. Ok, fait que je suis allée checker mon dictionnaire, puis si je définis intention de ce que je comprends de mes propres mots, c'est quelque chose qui est défini par quelque chose que tu veux et un plan que tu vas entreprendre. Et bien sûr, ce que tu imagines comme résultat final, c'est basé sur ce que tu désires, ok? C'est basé sur ton prétexte initial, ça fait du sens. Ok. Fait que dans le fond, ok, quelque chose que je me suis toujours demandé en art en particulier, c'est pourquoi est-ce que les œuvres qu'on étudie aujourd'hui, à chaque fois que comme on doit parler des grands classiques, à chaque fois qu'on doit parler comme de super artistes, on doit aller dans le temps, on doit aller avec les gens qui sont décédés. Souvent, on va retomber dans le temps de la Renaissance, qui est environ dans les années 1500 et plus. C'est encore débattable. Tu sais, après mes recherches, j'ai réalisé que comme il y a personne qui se met vraiment en accord sur les dates. En tout cas, fait que, quand tu penses à la Renaissance, une des choses que j'ai découvert comme durant mes recherches, pourquoi ça a autant impacté dans le fond l'histoire, c'est parce que dans ce moment-là, dans cette ère, ils s'étaient mis d'accord, ben, les artistes s'étaient mis d'accord pour créer avec intention. Ils remettent en question dans le fond ce qu'ils savent, de chercher du sens à la vie, d'avoir une meilleure compréhension, d'avoir une meilleure compréhension, d'avoir comme des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser. Basically, de développer de nouvelles philosophies ou d'approfondir un peu la compréhension humaine. C'est aussi la période où est-ce que les Européens, les Anglais, les Français ont voyagé à l'extérieur pour apprendre à connaître les autres cultures. Et blablabla. Il y a énormément d'artistes qui font partie de cette ère-là qu'aujourd'hui on connaît encore, qu'on parle encore, qu'on étudie, qu'on voit dans les livres, à en plus finir. Mais quelque chose que j'ai trouvé, que je trouve vraiment comme hypocrite, c'est le fait que j'ai checké un peu ces artistes parce que je m'étais vraiment intéressée à l'ère de la Renaissance pour essayer d'un peu comprendre pourquoi comme c'était aussi inspirant, pourquoi genre on pouvait pas juste move on sans mentionner la Renaissance. Puis j'ai découvert, tout d'abord j'ai découvert énormément d'artistes, mais j'ai aussi découvert, j'ai aussi remarqué à quel point les informations de l'ère de la Renaissance à aujourd'hui, dans le gap, il y a beaucoup qui n'ont pas été dit, il y a beaucoup de scripts, beaucoup d'écritures, beaucoup de choses qui ont été juste enfouies. Et ce qui est fou, c'est qu'on vit des conséquences de ces mêmes artistes de la Renaissance aujourd'hui. So basically, je vais juste donner quelques exemples d'artistes de ce temps-là, comment leurs intentions ont juste comme impacté toute une génération après, puis comme comment ça a impacté aujourd'hui encore la cité dans laquelle on vit. Il y a trois exemples. Je vais donner juste trois exemples parce qu'il y en aura plein que je peux donner, comme que ce soit dans le monde du cinéma, dans le monde de la photographie, dans le monde des poèmes, ou même les philosophes, parce que c'était considéré comme des artistes. Même les philosophes, OK, ont contribué à notre société d'aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que c'est important de go back in time, checker qu'est-ce que les anciens ont fait, pourquoi leurs œuvres sont encore en vie aujourd'hui, pourquoi on en parle encore, et est-ce que c'est accurate? Est-ce que c'est accurate qu'on en parle encore? En tout cas, il y a l'artiste Emmanuel Flamand. Donc lui, c'est un artiste qui a photographié une femme qui s'appelle Sarah Brightman. Oui, c'est Sarah Brightman, OK? Elle est aussi connue sur le nom de Sarah Emmanuel Flamand en 1889. Une série qu'il a faite qui s'appelle Woman of Giraffe Skin. C'était comme un éditorial, OK? Il a habillé la modèle de peau d'animal, de girafe principalement. Il y en a un qui a mis dans le background, d'autres qui l'a habillé sur la taille. Ok, je vais probablement insérer une photo. Quand tu regardes l'image en tant que telle, t'es comme waouh, le photographe est quand même incroyable. C'est vrai que son piece, c'est vrai que comme le résultat final de la photo est vraiment nice. Puis moi personnellement, si je n'étais pas dans mes recherches actuelles, j'aurais juste vu l'image et j'aurais fait « Wow, quelle belle représentation! » Wait a second, OK? Il y a un dicton qui dit « Sans contexte, un texte n'est qu'un prétexte, OK? » Moi, je dirais « Sans contexte, un texte ou une image ou peu importe l'œuvre est juste un prétexte. » Fait que si on prend maintenant cette même image, OK, puis que tu regardes le contexte social, puis qu'on parle de contexte, OK, c'est...
on parle des circonstances dans lesquelles l'image a été créée. Ben, c'est quoi l'ère économique actuelle? C'est quoi les politiques actuelles? La politique ressemble à quoi? C'est qui? Est-ce que tu comprends? C'est quoi le contexte social, basically, OK? Quand tu regardes le contexte social, c'est un ère, en 1889, c'est un ère où les Noirs étaient considérés comme rien, en fait, comme des propriétés. On était utilisés aussi à des fins économiques, que ce soit par l'esclavage travaillé dans des champs ou que ce soit par le sexe, par l'image. Dans le fond, on était exploités monétairement parlant. Puis quand tu regardes l'image de Sarah Brightman, tu réalises que comme cette même image, OK, a été utilisée pour représenter l'Afrique, OK? Et cette même image, OK, qui est stage, cette même image s'est retrouvée dans des expositions et d'autres chercheurs, d'autres anthropologistes qui ne pouvaient pas aller en Afrique allaient voir les images. Et c'est ça qu'ils utilisaient. Ils utilisaient une image qui était stage, OK? Et ce qui est vraiment dommage, c'est que ce n'est pas comme si c'était mis de l'avant. Emmanuel Flamand, quand il a sorti ces images-là, eux, c'était une représentation africaine qu'ils faisaient en Europe. Et ces mêmes images, ils les montraient dans des expositions où est-ce que l'audience, c'était les Européens, certes. En fond, ils ont représenté l'Afrique, mais de leur perception. C'est avec ce genre d'image qu'on est laissé, c'est avec des bias qu'on est laissé, basically, OK? Maintenant, si tu regardes Bonaparte, OK? Bonaparte, encore, en 1889, la série de jardins zoologiques, OK? Je ne vais même pas rentrer dans les détails de tout ça, mais si tu regardes ça, il y avait beaucoup de voyages qui se faisaient en Afrique. Puis lui, il a ramené des femmes africaines de différentes tribus. Il les a amenées dans son zoo, les promettant que, oui, ils vont faire de l'argent en venant en Europe. En tout cas, OK, puis pour promouvoir son zoo, tu sais, il prend des photos, il fait des éditoriales. Il stage, of course, les photos. Il faisait des photos des séances de groupe où est-ce qu'il mettait trois femmes ensemble. Mais comme clairement, si tu regardes, tu vois très bien qu'elles sont de tribus différentes. OK, moi, personnellement, je peux le voir. Je vais probablement insérer des images. Mais, tu sais, lui, quand il a fait ses photos, il n'a pas expliqué à son audience que c'était stage. Tu sais, comme moi, je vois une image comme ça, je vais peut-être me dire, oh, c'est une représentation. Alors que non, ce n'est pas une représentation, c'est comme du entertainment. Ces images-là sont sorties comme si c'était l'histoire. Alors que comme, non, ce n'est pas l'histoire. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Maintenant, un autre exemple aussi que je vais utiliser, OK, c'est dans du journalisme, OK? En 1936, Dorothy Lange, qui a l'image de The Migrant Mother. OK, l'histoire, la controverse derrière cette histoire-là. Si tu reprends le contexte dans toutes ses œuvres, c'est pas une représentation, OK? C'est pas une représentation. Fait que c'est pas des images qui peuvent être utilisées pour étudier en histoire. Ça fait pas de sens. Puis c'est des images qui ont été aussi utilisées dans des musées. Quelque chose que j'ai oublié de détailler. Ça a été utilisé dans des fairs. Ça a été print dans des cartes de visite, tu comprends? C'est comme ça fait le tour de l'Europe. Je vais dire même le tour du Western culture. Bon, pour venir à intention, OK? Clairement, quand on regarde ces trois artistes, OK? Je vais dire artistes, mais c'est des artistes for real. Mais je vais dire artistes parce que comme j'ai comme une genre de haine. Okay. Quand tu regardes ces trois artistes, je pense que l'intention, c'était de représenter. Fait qu'on peut pas utiliser ces images-là pour représenter, OK? Et c'est pour vous montrer à quel point les intentions sont tellement fortes. La plupart des modèles utilisés pour ces images-là, on ne connaît pas leur nom, comme on a peu d'informations qui sont données. Dans le fond, c'est comme si c'est eux qui tiennent le narratif. Puis tout ce qu'ils donnent, c'est l'image. C'est là que le problème vient. En tout cas, juste petite parenthèse, la plupart des images que je vous ai montrées de Bonaparte puis de Emmanuel Flamand, c'est des images que vous n'avez probablement pas trouvées en ligne. Pourquoi, je sais pas. En tout cas, je vous invite vraiment à faire des recherches là-dessus parce que c'est fucking intéressant. Puis c'est là que tu vois aussi, il y a beaucoup de petites choses ou comme des philosophies qu'on a aujourd'hui qui viennent de là. Beaucoup de choses qu'on a comme mis dans la culture qui sont même pas de nous, genre. En tout cas. Mais finalement, OK, en approfondissant mes recherches, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes, d'artistes de ce temps qui finalement étaient aussi inspiré, mais d'une ère précédente et qui est le temps ancien. The Ancient Time, qui est à peu près de 1400 à 1500. Fait que dans ce temps-là, c'était pas vraiment...
c'était un peu moins visuel, du sens que comme les œuvres d'art se faisaient plus par écrit, c'était plus des poèmes, des journaux, en tout cas, plus par écrit, on va dire ça comme ça. Puis c'était actually très philosophique, vraiment basé sur Dieu, sur l'identitaire. Ouais, je pourrais dire vraiment basé sur Dieu. Puis quand on parle du temps ancien, on parle du temps, on va plus parler des Romains, du temps de Grec. Fait que dans le fond, là, c'est comme si, OK, aujourd'hui, on est inspiré par la Renaissance. Et ces mêmes gens, OK, qu'on voit comme des modèles pour comme dicter notre art d'aujourd'hui, eux étaient inspirés par comme l'ancien temps. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens. C'est pour te dire que comme dans le fond, là, ça finit plus, ça finit plus. Mais par contre, il y a une chose que comme qu'on peut pas nier, OK, c'est que comme si tout revient à Jésus-Christ, les commandements, toutes les Écritures saintes. Tout revient aux Écritures saintes. Fait que, en tout cas, je sais pas. Les intentions pour moi, comme comment je vois les choses, c'est que j'ai vraiment l'impression que comme les œuvres qui sont créées, c'est plus pour entertain, ok? C'est plus pour éduquer, c'est plus pour donner d'autres perceptions, c'est plus pour proposer d'autres idées, d'autres philosophies, c'est pas ça. Vraiment, en ce moment, j'ai l'impression que peut-être les œuvres qui sont créées sont peut-être poussées par le greed, poussées par la soif de réussir, par la gourmandise, par. Je sais pas. Vraiment, j'ai l'impression que tout, comme, je vais pas dire tout, c'est vraiment dramatique de dire ça, mais beaucoup d'œuvres qu'on consomme aujourd'hui, quand tu regardes vraiment d'où ça vient, quand tu regardes vraiment l'histoire derrière l'œuvre, quand tu regardes l'artiste, le pourquoi ça a été créé, quand tu regardes le contexte social, tu constates que finalement, c'est vraiment juste pour entertain. Ça n'a rien à voir avec l'éducation, ça n'a rien à voir à être vrai, ça n'a rien à voir avec l'honnêteté. La plupart du temps, dans mes recherches, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont connu un succès mondial, ok, à promote ou plutôt à créer pour les mauvais, qui créent, ben, qui ont connu un succès mondial, mais qui ont créé pour les mauvaises raisons. Puis ça a des conséquences, ça a des vraies conséquences sur la société. Comme, regarde tous ces stéréotypes, okay, qu'on a aujourd'hui dans notre tête, c'est comme nous, on ne se pose pas de questions, mais yo, ça vient de quelque part. Je pense que c'est vraiment important de questionner. On te montre un artiste, on te donne un philosophe, hey, va checker c'est qui, va checker pourquoi il stand, va checker qui est sa famille. C'est important d'aller checker pourquoi il crée, c'est quoi ses intentions, what's up. C'est à notre désavantage de ne pas savoir qu'est-ce qu'on consomme et d'où ça vient. Tout ça m'a vraiment fait comprendre que c'était important de créer avec une intention. Tu sais, je veux pas dire que l'intention doit être profonde. Tu sais, je sais que des fois, comme on crée juste pour soit évacuer ou on crée pour aucune raison ou sinon on crée, on sait même pas encore pourquoi on crée. Comme c'est après que on comprend que ah, oh, ok, c'est ça que je voulais dire ou comme ah, oh, ok, ouais. Que tu sois la personne qui crée ou la personne qui consomme ce que les autres créent, surtout pour les œuvres qui atteint une popularité mondiale. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête de socler la dick de la Renaissance. Although que je pense qu'il y avait des vraiment bons artistes, je ne suis pas en train de dire que comme toute la Renaissance est à mettre à terre, mais comme au lieu de le mettre sur un piédestal, peut-être qu'on devrait plutôt questionner. Ce qu'on vit aujourd'hui vient de quelque part. C'est important de comprendre l'histoire avant de move forward. Apprendre du passé avant d'aller de l'avant. En tout cas, mais c'est ce que j'avais à dire. Fait que, yep. Merci d'avoir regardé. Bye!